Jupiter, bonjour. 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 Vous êtes magnétiseur, hein? Pouvez-vous nous dire ce qu'est un magnétiseur? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce qu'il est, un magnétiseur, en fait, c'est une personne qui a la possibilité de soigner par imposition des mains, ce qu'on appelle l'imposition des mains. Alors, ce qu'il fait, eh bien, ce qu'il fait, eh bien, il a pour effet de pouvoir soigner et donc de pouvoir redonner de l'énergie aux personnes à qui c'est défaillant. Donc, le fait d'un magnétiseur, c'est de recharger, de redynamiser et de, en quelque sorte, combler les manques d'énergie qu'il peut y avoir dans le corps, dans différentes parties du corps, en fonction de la personne et de ses faiblesses génétiques, par exemple. Et comment vous procédez justement? Alors, je procède par imposition des mains, ce qu'on appelle tout simplement soigner par imposition des mains. C'est-à-dire, je n'utilise aucun médicament, rien. C'est pas, un magnétiseur n'a pas à donner de médicaments, il n'est pas médecin du tout. Donc, je soigne par imposition des mains et donc par transfert d'énergie. C'est-à-dire que je capte autour de moi, on va dire, cette énergie dans l'éther qui nous environne. Et cette énergie transite au travers de moi et je la fais passer vers les personnes qui ont des problèmes. Problèmes qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre, en fonction aussi des faiblesses génétiques de tout un chacun. Donc ça, après, chaque personne est un cas à part. Donc je dois m'adapter à chaque cas, à chaque type. Et qui sont les personnes qui viennent vous voir justement? Alors, les personnes qui peuvent venir me voir, c'est des personnes déjà de tout bord, de tout niveau, de tout milieu aussi. Et elles viennent me voir pour des problèmes très différents. Bon, les problèmes majeurs que je rencontre, évidemment, c'est des problèmes dus au stress. Donc, tout ce qui est stress, nervosité, anxiété, tout ça. Alors, elles viennent me voir, eh bien, parce que, bien souvent, elles ont tout essayé avec la médecine classique, conventionnelle. Et ne pouvant obtenir de meilleurs résultats parfois, eh bien, elles essayent par d'autres méthodes. Alors, que ce soit le magnétisme, que ce soit l'acupuncture ou quoi. Donc, on est parfois un peu le dernier recours de ces personnes-là. La route secours. La roue de secours dans certains cas. Alors, dans certains cas, c'est vrai que les personnes, quand elles viennent, eh bien, elles viennent parfois tardivement. Donc, la tâche est beaucoup plus difficile. Et puis, dans certains cas, bon, ben, je peux avoir des échecs, bien sûr. Si le problème est pris trop tardivement, ça devient très difficile après à soigner. Très bien. Et est-ce que c'est un don, votre magnétiseur? Alors, moi, je dirais que oui. Contrairement peut-être à certains, oui, dans la mesure où je peux l'expliquer, puisque en fait ce qu'on appelle être un don, en fait, et cela on le doit notamment au professeur Yves Rocca, à qui j'ai beaucoup de respect, eh bien Yves Rocca, qui était un physicien de très très haut niveau, faut pas oublier que le pont de Tancarville, c'est à lui qu'on lui voit, on le doit, c'était aussi un des pères de la bombe atomique française, qui a été très recherché pendant la dernière guerre par les Allemands, donc c'était pas n'importe qui. Et un jour, eh bien, il s'est intéressé à la radiesthésie, il s'est intéressé au magnétisme, et en tant que physicien, eh bien, il a fait des découvertes qui étaient très importantes, mais évidemment qui ne plaisaient pas à la gent scientifique classique, conventionnelle, on dira. Et donc lui, il a mis en évidence, mais il n'a pas été le seul, dans le monde entier, d'autres l'ont mis en évidence, que nous avons dans le corps notamment des cristaux de magnétite. Ces cristaux sont logés dans différentes parties du corps, les arcades sourcilières, les poignets, les coudes, les genoux, dans différentes parties du corps. Ce sont dans des petites cavités osseuses que ces cristaux de magnétite sont logés. Et il s'est rendu compte que chez certaines personnes, eh bien, il y avait une quantité de magnétite beaucoup plus importante que la normale. C'est-à-dire que tout le monde en a. Vous, moi, les personnes qui nous regardent, tout le monde a un champ magnétique, c'est obligé. Seulement, chez certaines personnes, vu qu'il y a davantage de cristaux de magnétite, ça confère au corps un champ magnétique beaucoup plus actif. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce que c'est qu'un don. Et c'est génétique aussi dans la mesure où ça se transmet généralement de famille en famille. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est quelque part dans les gènes et ça peut sauter une, deux, trois générations. Mes recherches m'ont amené jusqu'à penser jusqu'à 7 générations facilement. Mais immanquablement, c'est dans notre ADN, ça va finir par se retrouver et à un moment donné, un descendant va avoir dans son corps, et ben lui aussi, un excès de cristaux de magnétite, donc un excès de champ magnétique, et donc ça sera
un futur magnétiseur en puissance. Et donc, tout le monde peut faire ça ou pas? Tout le monde, dans la mesure où la personne a effectivement un champ magnétique plus actif, oui. Maintenant, tout le monde... moi, je me rappelle, en 1984, hein, où j'ai été dans une école pour apprendre à me perfectionner à cette époque-là, j'avais quand même déjà 8 ans de pratique derrière moi, eh bien, ma prof que j'avais à cette époque-là, elle disait que tout le monde pouvait être magnétiseur, et moi, je disais déjà à cette époque-là que c'était pas possible. Si vous n'avez pas un niveau suffisant, vous n'irez pas très loin. Donc j'ai même eu des anecdotes, dont une que je peux vous raconter. Une personne que je connais, avec qui je suis toujours ami et qu'on se voyait récemment encore, eh bien lui, il n'avait pas spécialement un champ magnétique très fort. Il a essayé de soigner une amie, il s'est littéralement dévitalisé, donc il s'est retrouvé complètement à plat. L'ami qu'il avait à soigner, eh bien ça l'avait à peine un petit peu fait du bien, mais lui il avait mis plus de 1 mois sans remettre. Voilà, 1 mois pour se remettre de la charge qu'il avait donnée. En fait, il s'était vidé personnellement et non pas rechargé en permanence comme je le fais ou comme de bons magnétiseurs peuvent le faire. Et comment travaillez-vous et où? Alors, où je peux travailler, je travaille chez moi, mon cabinet est ici. L'avantage qu'il y a, je dis toujours en plaisantant, l'avantage qu'il y a, c'est que où que j'aille, j'ai toujours mes outils avec moi puisqu'ils sont là. Donc, il m'est arrivé de soigner dans des endroits très insolites, dans des avions, dans des aéroports, mais aussi même dans des bus. Et je me souviens, il y a 20 ans en arrière, je faisais partie à l'époque de l'IMSA, l'Institut Mondial des Sciences Avancées, et nous organisions une fois par an des voyages d'études, pour certains de plaisir. Et une des personnes présentes dans le car s'était blessée à une cheville. Et pendant que le car roulait, moi, à l'arrière du car, je soignais sa cheville. Et ce qui fait que le voyage, la personne a pu le continuer tranquillement parce que j'avais réussi à tout de suite soigner sa cheville. Donc les endroits sont multiples. Il m'est arrivé de soigner dans des châteaux. Il m'est arrivé de soigner dans des maisons très anciennes, très ordinaires. Donc vous voyez, n'importe où on peut... On a toujours le matériel avec nous. Très bien. Donc vous pouvez nous montrer un petit peu comment vous procédez ou pas? Eh bien avec plaisir. Dans ce cas-là, il me faut un ou une volontaire. Voilà. Merci. Alors, je vais donc vous faire un peu une petite démonstration des différents types de passes qu'il peut y avoir et le but de ces passes aussi. Donc la plus classique, évidemment, c'est ce qu'on appelle les impositions palmaires. Imposition palmaire, c'est-à-dire que je mets une main... Par exemple, ici au front, parce que c'est une des zones les plus importantes. Et ensuite, je peux passer une main ici au niveau des cervicales de la nuque, où là, je commence à charger la personne. Après, il y a évidemment différents types de positionnement. Et les différents positionnements vont faire que je vais charger soit le haut du corps, soit le bas du corps, soit une partie du corps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les impositions palmaires. Après, il y a comme passe aussi ce qu'on appelle les passes perforantes. Alors, les passes perforantes, ce sont des passes, par exemple, qu'on peut utiliser si on veut, par exemple, essayer de faire éclater un kyste, un fibrome, ou le dessécher aussi, parce que on peut le dessécher, ou un abcès, par exemple. Alors, c'est une passe très particulière qui consiste à mettre les mains, les doigts de cette façon-là. Et on va dire, que par exemple, elle a un abcès ici et que je vais essayer de percer cet abcès ou de le faire dessécher. Donc je mets les mains en fuseau. En fait, si on était capable de voir dans l'invisible, voilà, on verrait, mais bon, nous on peut pas le voir, mais il y a des personnes, des voyants ou des médiums, mais surtout des voyants qui sont capables de le faire. Vous verriez partir du bout des doigts des faisceaux de lumière. En fait, ce sont des faisceaux d'énergie. Ces faisceaux d'énergie, en les concentrant de cette façon-là, on arrive à en faire un peu comme une sorte de rayon unique, assez très puissant. Et ensuite, la passe consiste à, par exemple, faire ce genre de geste. C'est-à-dire que la même pivote. En pivotant, c'est comme si on avait une vrille. Et cette vrille, eh bien, on l'a, bien sûr, il faut d'abord que je détecte les zones qui sont à travailler. Donc, si j'ai trouvé qu'à cet endroit-là, c'est là où se situe le point qui est à traiter, je mets la main ainsi, et en pivotant de cette façon à de nombreuses reprises, alors évidemment ça demande du temps et de la patience, parfois il faut une deuxième séance même, ou voire 3 séances, et ça dépend ce que c'est, et au fur et à mesure, eh bien le magnétisme pénètre en vrillant, et il finit soit, il va faire percer
le kyste, par exemple, ou l'abcès. Soit ils veulent dessécher, par exemple pour des fibromes ou des choses comme ça, et après, ça va disparaître. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la passe perforante. Après, il y a les passes dites à grand courant. Bon, là, je suis peut-être pas bien positionné pour le faire, mais je vais montrer un petit peu. Normalement, je la fais ou de face, ou de dos, ou latéralement. Donc là, je vais vous faire que latéralement, mais sinon, de face, c'est pareil. Donc ce sont des passes qui, normalement, partent du haut de la tête et vont vers le bas. Donc, en gros, ça ferait ça. Je fais attention de ne pas tout... Alors, voilà, ça fait ça. Et alors, détail que je vais vous montrer qui est important. Quand je fais ça, je mets les mains qui descendent comme ceci. Et vous regardez que les mains sont très écartées. Parce qu'en fait, toujours le même principe des faisceaux. Les faisceaux sont dirigés vers le corps et donc balayent une large partie du corps. Mais quand je remonte, jamais je remonte avec les doigts ouverts, toujours les mains fermées et en m'écartant du corps. Parce que si je remonte face au corps et les doigts ouverts, je vais aller à contrario de son sens énergétique, de son sens magnétique, parce que le magnétisme va de la tête jusqu'aux pieds par rapport au corps, et si je remonte, je vais en sens inverse. Donc là, je vais inverser son propre champ magnétique. Si je tombe sur une personne qui est très sensible, qui est très réceptive, eh bien, elle peut aller jusqu'à, par exemple, tomber dans les pommes, par exemple. Bon, il y a des personnes moins sensibles, mais des personnes très sensibles, eh bien, si je fais ce genre de passe, eh bien, une, deux, trois fois, la troisième fois, la personne elle risque d'avoir des vertiges, des nausées, ou voire même... Tu rentres dans le corps éthérique. En fait. Voilà, parce que effectivement, je travaille pas que le corps physique, mais en fait, je travaille au niveau des... Tu le ressens? Eh oui, je sais, t'es très sensible. Donc, je travaille au niveau des différents corps, parce que bon, on a un corps physique, ça c'est l'aboutissement de qui est visible, mais on a différents types de corps. Alors après, il y en a qui disent, on en a 4, on en a 5, on en a 7, moi je ne vais pas dire ça, c'est des couches successives. C'est un peu comme les poupées gigognes, les poupées russes, où on ouvre, on en a une autre à l'intérieur, ainsi de suite. Eh bien, notre corps, il est composé de la même façon. On a un corps physique visible, et puis des corps d'énergie. Alors... Moi, je ne les vois pas, donc je ne dirais pas que je vois ces corps-là, mais je les vois avec mes mains. Parce qu'avec les mains, j'arrive à voir, par exemple, telle zone ne va pas, ou telle zone est à travailler, telle zone est trop rechargée, donc il faut que je fasse des passes de dégagement pour le soulager. C'est un peu par couches successives. Mais il y a des personnes qui ont la capacité de voir. Et dans ce cas-là, ces personnes vont voir les différentes couches qui composent, en fait, notre corps. Les différents corps, corps causal, corps astral, corps... enfin. Tous ces corps-là qui existent. Et donc, mon travail consiste à rééquilibrer cela. Et quand on a, par exemple, une maladie, ou quand on est tout simplement, suite à un choc émotionnel ou quoi, perturbé. D'ailleurs, regardez ce qu'on dit. Une personne, par exemple, qui est déprimée, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, tiens, elle a des idées noires. En fait, si on était capable de voir dans l'invisible, eh bien, on verrait que son aura, elle est sombre, voire jusqu'à noire. Et on dit avoir des idées noires. Une personne amoureuse, par exemple, et ça c'est la photo kyrielienne qui le démontre, une personne qui est amoureuse, eh bien elle va avoir son aura qui va être rosée. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit elle voit la vie en rose. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que donc à partir de là, on comprend que par exemple, quand par exemple je passe les mains, je vais sentir des zones où l'énergie est perturbée. Donc dans ces endroits-là, eh bien, si c'est par exemple au niveau du plexus frontal, du plexus laryngé ou quoi, si l'énergie est bloquée, eh bien, si elle est bloquée, elle va être beaucoup plus sombre. Parce qu'on a différentes couleurs qui organisent notre corps, ce qui est normal. Eh bien, cette couleur, elle va, du fait du ralentissement du plexus, ou du chakra, si vous voulez, eh bien, elle va se densifier, donc, devenir de plus en plus sombre. Donc, mon travail, ou le travail de magnétiseur, c'est de réactiver, de redynamiser la zone, ou si la zone est trop chargée, de réduire cette charge qu'il y a, de façon à ce qu'elle arrive à un niveau normal. Ah oui, une personne, voilà. Donc, une personne qui verrait donc dans l'invisible verrait par exemple que telle partie est sombre et à partir de là, elle pourrait donc savoir ce qu'il y a à faire. Si elle est magnétiseuse ou si il est magnétiseur, évidemment, ça faciliterait le travail. Moi, je n'ai pas cette chance-là, donc je me contente de voir avec mes mains. Et à partir de là, on peut détecter des maladies avant même qu'elles apparaissent. Pourquoi ? Et ça, la photo kyrielienne l'a bien démontré, c'est parce que c'est notre propre champ énergétique qui est perturbé en premier. Et après, il pénètre à l'intérieur des différentes couches énergétiques jusqu'à atteindre eh bien, nos cellules.
En fait, c'est nos propres atomes qui vont être perturbés. Les atomes provoquent des molécules, les molécules, les cellules, et au final, eh bien, l'énergie des atomes perturbés va finir par avoir une action sur la cellule. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'on peut détecter des maladies à l'avance. Moi, je pense que dans le futur, et dans certains pays, on le fait déjà, eh bien, si on utilisait des principes comme ça pour la détection des maladies, on pourrait soigner des maladies avant même qu'elles apparaissent. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, il m'est arrivé à maintes reprises de détecter des choses. Et quand je détecte ces choses, je ne vais jamais dire à la personne « vous avez tel ou tel problème ». Par contre, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais pousser la personne d'aller voir son médecin, par exemple, ou d'aller voir un spécialiste, et de lui dire, par exemple, « bon, ben, voyez avec votre médecin pour qu'il vous fasse faire tel ou tel examen ». Et après, c'est cet examen qui va ou confirmer ou infirmer ce que je vais dire. C'est comme ça que parfois il y a eu des problèmes graves qui ont été détectés et que les médecins ne comprenaient pas pourquoi que la personne demandait à son médecin « mais passez-moi cet examen ». Le médecin il disait « mais pourquoi ? Pourquoi ?» Et quand il le passait, ben, elle avait la surprise de s'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que je voyais déjà d'un point de vue énergétique la perturbation. Parfois elle avait déjà atteint le corps physique et là dans ce cas-là une radio ou d'autres examens peuvent le montrer. Voilà un peu en gros comment ça fonctionne. J'ai énormément d'anecdotes dans ces domaines-là, notamment une personne que j'avais soignée comme ça, et c'est ce qui m'a démontré que ce que je vous dis est exact. J'avais soigné, je me rappelle, une femme, c'était en début d'année, donc en février, quelque chose comme ça. J'avais détecté qu'elle avait un problème au niveau du bas-ventre. Mais comme quand je lui ai demandé si elle avait des problèmes, elle m'a dit non, elle n'avait rien du tout, donc je m'étais contenté de la soigner, ce pourquoi elle était venue. Et une bonne année s'écoule, et donc une bonne année après, elle revient me voir, elle se rappelle à mon souvenir parce que je l'avais oublié, et elle me raconte que, donc ça on était au mois de février par là, au mois de juin, juillet, dans le courant de l'été, elle a eu un grave problème de santé, elle a dû être hospitalisée, elle avait subi, si ma mémoire est bonne, au moins 2 interventions chirurgicales, elle avait passé très près d'un grand problème qui lui aurait coûté la vie. Et quand elle est venue me voir, eh bien, c'était pour se remettre sur pied suite à ces grosses interventions qu'elle avait eues. Et pour elle, ça avait été une évidence que ce que j'avais perçu, c'était ce problème qui était en gestation, mais non déclaré encore physiquement. Voilà, ce sont des expériences comme ça qui me permettent de moi de mieux comprendre comment je fonctionne et comment aussi on fonctionne. Donc, vous travaillez à distance, hein ? Comment vous travaillez là ? Alors, à distance, eh bien, je travaille par conjuration. C'est-à-dire que c'est une très ancienne méthode qui était utilisée avant, notamment dans les campagnes. On appelait cela des penseurs de secrets. Alors, ça, c'est pas un don. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais ça ne s'apprend pas à n'importe quel moment. Moi-même, par exemple, à Monique qui est là, je lui ai appris, il y a des moments précis pour l'apprendre. C'est un rite qui doit être fait à des moments précis, et là, en quelque sorte, la personne peut, après, en utilisant certaines formules, certains rituels, eh bien, soigner à distance. Donc ça, ce n'est pas un don, contrairement au magnétisme. Et à partir de là, ça demande de la précision. À la différence du magnétisme, où même s'il y a quelque chose que je ne sais pas, le magnétisme va agir dessus. Tandis qu'à distance, là, il faut que je sache avec précision ce qui est à faire. Et une fois qu'on sait exactement ce qui est à faire, que la personne serait sur la Lune, ça serait pareil. Ça fonctionne à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire que au moment où on pense et on travaille, ça agit déjà. Donc c'est instantané ce mécanisme. Et donc on peut soigner aussi bien à distance que quand je soigne par magnétisme. Par exemple, les brûlures ou même voir les rayons. Quand les personnes subissent de la chimiothérapie ou des radiothérapies, les rayons, on sait les dégâts que ça fait, ça sauve des vies. Mais parfois avec des séquelles qui peuvent être lourdes, eh bien, par magnétisme comme à distance, eh bien, on peut stopper le feu de ces rayons. On les appelle aussi d'ailleurs des barreurs de feu. On appelle ça des barreurs de feu. Ou on appelle ça aussi des coupeurs de feu dans certaines régions. Bon, dans notre région, dans le midi de la France, ça s'est beaucoup perdu. Mais il y a des régions qui ont réussi à garder leur tradition, leur connaissance, leur savoir. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le terroir a été préservé, ce qui n'est plus notre cas dans notre région. Moi, pendant des années, ici, au quartier, j'étais considéré un peu comme le fou du village. Mais ce que les gens ne comprenaient pas, c'est qu'il y avait des gens qui venaient parfois de très loin voir ce fou. Et ils étaient contents de venir, et ils revenaient, et ils amenaient même d'autres personnes. Et après, ils ont fini par se poser des questions. Après, j'ai commencé à soigner des personnes du quartier.
Et là, ils se sont aperçus que j'étais peut-être pas aussi fou qu'ils le pensaient. Voilà, ça c'est notre région. Alors dans d'autres régions, comme le Berry par exemple, bon là on est dans la magie, c'est vrai, la magie noire. L'Auvergne, dans toutes ces régions-là, la Bretagne, la Normandie, ce sont des régions qui ont gardé encore leur culture. Et ça, je trouve que c'est dommage que nous la perdions. Et c'est ce que j'explique aussi dans des conférences que je donne aussi, que cette tradition, bien que ça puisse être difficile à comprendre, parce qu'effectivement, comment avec des mots, on peut soigner à distance, par exemple, il faut pas se braquer sur le fait que ce sont que des prières. On va dire, ah ben c'est l'Église, c'est si. Non, une prière, c'est quoi? Ce sont des mots. Les mots, c'est quoi? C'est des fréquences. Et quand vous alignez des mots l'un avec l'autre, vous obtenez une gamme de fréquences. À partir de là, on comprend comment ça fonctionne. J'ai eu la chance d'avoir un ami que j'ai toujours, qui était astrophysicien, spécialisé dans l'étude des champs magnétiques. Il s'appelle Jackie Viguier. Et s'il voit cette vidéo, ben, je lui dédie justement cette vidéo d'aujourd'hui. Eh bien, lui, il m'a appris énormément de choses dans le domaine de la physique. Parce que la physique, un magnétiseur doit être surtout intéressé par la physique plus encore que par la médecine. Parce que la médecine, c'est les médecins. Le magnétisme, c'est plus vers la physique. Et quand on attaque alors dans le domaine de la magie, dans le domaine des barreurs de feu, des coupeurs de feu, des penseurs de secrets, là on rentre dans un niveau encore plus différent. Et on arrive à avoir des résultats qui peuvent être spectaculaires. Comme je l'ai dit, ça demande de la précision, et si c'est précis, les résultats ils peuvent être parfois spectaculaires. J'ai eu une personne là qui d'ailleurs m'a appelé tout à l'heure, et qui m'a téléphoné de Dakar. Eh bien, il y a quelques 2 mois de ça à peu près, on l'avait soignée à distance, parce qu'elle m'avait donné un coup de main, donc on l'avait soignée à distance. Eh bien, pendant 2 jours, elle a eu des réactions extrêmement fortes. Elle m'a téléphoné au bout de 3 jours en me demandant si c'était normal. Elle avait eu de violentes réactions dans les minutes qui ont suivi quand j'ai commencé à la soigner. Donc ça a été vraiment instantané. Il y a des personnes qui sont particulièrement réceptives, et avec eux, ça peut être d'une rapidité qui peut dépasser ce qu'on imagine. Après, il y a des personnes qui réagissent moins bien. Après, il y a aussi le problème en question. Plus il est pris tôt, mieux c'est. Bon, dans certains cas, c'est pas dramatique. Mais pour un zona, par exemple, eh bien, ça demande d'agir très vite. Plus on attend, plus on s'implante. Et plus il est dur à enrayer. Et il s'en va de ça comme pour beaucoup d'autres choses. Alors, tout à l'heure, je parlais de penseur de secret. Alors, il faut pas voir penseur P-E-N, mais P-A-N. Dans le sens de penser un secret. C'est-à-dire qu'à partir de là, on soigne avec un secret. Et c'est vrai que Monique a autant de bons résultats que moi. Même, je dois reconnaître qu'elle a poussé la recherche encore plus loin que moi. Et dans certains domaines, elle arrive à de meilleurs résultats encore que moi. Mais comme je dis, c'est pas à tout le monde qu'on peut le donner. Et puis, bon, il faut faire attention à qui on le donne aussi. Parce que une fois, je l'ai donné à une personne où je l'ai bien regretté. Donc ça ne se donne pas à n'importe qui, ne m'appelez pas pour que je vous donne quoi que ce soit, je dois ressentir et je ne le donne pas à n'importe qui. Et ni à n'importe quand. Et ni n'importe quand, ça c'est très important. Il y a des moments précis de l'année, il y en a très peu, et c'est à ces moments-là. Et il y a l'heure précise qui va avec. Ça ce sont des détails très importants, qui peuvent se faire sourire. Il est probable que vous allez en sourire de ce que je dis. Mais moi je dis expérimentez, et vous verrez par vous-même. Donc vous êtes également le président de le CROPS. Du CROPS. Voilà, oui, tout à fait. CROPS, le CROPS. Centre de recherche ovni, parapsychologie et sciences. Voilà, donc cette association qu'on a créée avec des amis. En fait, cette association, à l'origine, on avait monté avec un ami une antenne ici sur Toulon. Et de là, après, on a décidé de créer le CROPS, Centre de recherche ovni, parapsychologie et sciences. Où là, des ovnis, on étudie en fait l'ensemble des choses. Parce que bien souvent, il y a beaucoup de choses qui sont reliées. On pense que les ovnis tont les boulons uniquement, mais il y a des phénomènes liés aux phénomènes parapsychologiques et paranormaux qui sont intimement liés aussi aux phénomènes ovnis. Par exemple, on connaît, quand on étudie l'ufologie, qu'il y a des personnes qui ont été en contact avec des ovnis, soucoupe volante, comme vous voulez l'appeler, qui à la suite de ça, soit ont eu des facultés qui se sont développées, soit ont eu parfois des possibilités qui leur sont arrivées, ou voire même des guérisons aussi qui leur sont arrivées, parce que le cas est connu aussi.
Tout à l'heure, je vais parler de Jean-Pierre Girard qui va venir. Il y a eu le cas de Yuri Geller qui avait défrayé la chronique à l'époque. Et lui, dans son histoire à lui, il a été en contact, je crois, à l'âge de 5 ans ou quelque chose comme ça, avec un phénomène ovni. Et c'est à la suite de ça qu'il aurait eu ses facultés qui se sont développées. Donc moi, je dis, on peut étudier l'ufologie, oui. Tous les boulons, oui. Au niveau simplement de témoignage, mais il faut élargir son champ parce qu'il y a d'autres choses qui sont reliées avec ça. Donc les séparer, je trouve que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Et pourquoi avoir créé cette association-là ? Eh bien, pour les mêmes raisons, parce que bon, ben, j'ai le défaut d'être très curieux et j'ai la chance d'être entouré de personnes qui sont au moins aussi curieuses que moi. Donc, ben, on essaye de comprendre, on essaye d'étudier le plus sérieusement possible aussi bien le phénomène OVNI que tout ce qui est phénomène d'ordre parapsychologique, fantôme, phénomène de hantise. Là, on vient d'avoir tout récemment un cas très particulier qui vient de nous arriver. Est-ce qu'on peut en parler de... Oui. Voilà, on est... Une TCI, en fait. Voilà, une TCI. En fait, on est parti... moi, je suis parti quelques jours de me reposer dans le Larzac. Et là, on a voulu faire des essais avec un appareil très sophistiqué d'enregistrement. J'ai oublié le nom, comment il s'appelle. Un enregistreur numérique. Un enregistreur numérique. Et on était dans un lieu templier, un château templier. Dans une commanderie. Exactement. Exactement. Une commanderie templière. Où il y avait des hospitaliers et des templiers. Voilà. Et donc, qui a plusieurs siècles d'existence. Et là, on a eu la surprise d'en faire des enregistrements sans trop y croire. Et quand on est arrivé le dimanche et qu'on a écouté, eh bien on a eu une voix qui s'est inscrite et qui n'a rien à voir avec ni la mienne, ni la sienne, ni personne d'autre, puisqu'on était seul dans cette pièce à ce moment-là. Là, maintenant, on va étudier ça de plus près. On a un élément concret qui est là. Attesté. Voilà, attesté. Donc, cette association, ben, elle a pour but d'expliquer aux gens ce dans que... Dans une approche scientifique. On a une approche scientifique et on essaye d'expliquer un peu aux gens ce qu'on fait. Et il y a énormément de personnes, moi je le vois arriver dans mon cabinet, qui en temps normal ne parlent pas de ce qui leur arrive. Et quand ils rencontrent une personne qui a l'esprit assez ouvert et qui voit et qui est assez curieux là-dedans, eh bien parfois ils racontent leurs expériences. Et croyez-moi que des expériences, il y en a beaucoup qui en vivent. Et parfois dans ces personnes-là, il y a des personnes qui sont dans des milieux où on n'imaginerait pas qu'ils ont eux-mêmes ou des possibilités ou vécu des expériences. Mais ils sont obligés de se taire. Parce que sinon, ils seraient pris ou pour des fous, pour des rigolos. Et donc, leur crédibilité en souffrirait fortement. Et prochainement, vous organisez aussi 3 conférences. Hein. Donc, il y en a une le 6 avril, avec Gildas Bourdet. Oui. Voilà. Alors, Gildas, c'est un grand ufologue français qui est très connu, qui est notamment connu pour son enquête qu'il a menée sur le crash de Roswell. Mais là, on va pas le faire venir pour cela. On va le faire venir pour le livre du docteur Lear, qui parle justement sur les abductions, c'est-à-dire les enlèvements. Et les implants. Et les implants. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes, eh bien, qui ont des implants, qui apparaissent mystérieusement ou qui disparaissent parfois mystérieusement. Son livre vient de sortir. Il s'intitule OVNI, Contact OVNI, la dernière frontière. Oui, c'est exact. J'avais oublié le titre. Désolé. Heureusement que j'ai la bonne mémoire. Donc, voilà. Ça, c'est Gildas Bourdet qui va venir nous faire le plaisir dans notre région de faire cette conférence qui, à mon avis, va plaire énormément. Alors, Gildas Bourdet est un bon conférencier et surtout un très bon chercheur. Et le 1er juin, vous avez également Jean-Pierre Girard. Alors, Jean-Pierre Girard, là, on est dans le domaine surtout de la parapsychologie, puisque Jean-Pierre Girard, bon, il a défrayé la chronique dans les années 70, 80 et même 90. Moi, je me souviens, il faisait partie de ces personnages que j'aurais rêvé de rencontrer. La chance veut que maintenant, on sait plus que rencontrer, on pourrait dire. Eh bien, il a travaillé notamment pour les États-Unis, il a travaillé pour des raisons très particulières, notamment pour le projet Stargate. Et il va venir faire une conférence pour expliquer un peu ce que c'est que la parapsychologie, ce qu'est surtout aussi les facultés, ce que sont les facultés psy, c'est-à-dire télékinésie, psychokinèse, télépathie... Probablement qu'il va parler aussi peut-être des soins à distance. En tout cas, une chose est sûre, ça ne doit pas lui être étranger. Donc, Jean-Pierre Girard, c'est agir... comment c'est déjà L'action de l'esprit sur la matière. Voilà, le terme exact qui va aborder dans cette conférence.
Là, ça va être une conférence qui va être un peu hors norme parce que c'est un personnage très compétent, de haut niveau, qui commence à ne plus être très jeune. Donc, je dirais, c'est maintenant qu'il faut profiter de le rencontrer, de discuter avec lui, parce qu'après, évidemment... D'ailleurs, il va nous faire un stage le 8 et le 9 juin à l'Accro. Voilà, et nous, on y est déjà inscrit, d'ailleurs, on ne va pas le rater, parce que dans ce stage, normalement, il va essayer de nous apprendre, enfin d'apprendre aux personnes qui seront présentes, à utiliser un peu mieux nos capacités. N'oublions pas que nous n'utilisons censément que 10% de nos capacités. Alors, j'essaie d'imaginer ce que sont les 90% restantes. Dans les conférenciers que nous avons eus aussi auparavant, eh bien, il y a eu Jean-Gabriel Grélé qui est venu au mois de novembre. Le 3 novembre. Exactement, le 3 novembre. Donc, le 11 décembre, nous avions eu aussi le colonel Jacques Rine. Jacques Rine, mais ça c'était déjà le 11 décembre 2011. Et moi-même, personnellement, j'ai bien connu Jimmy Gueux, puisque je faisais partie de l'IMSA. Guy Tarade aussi, que nous avons eu à maintes reprises. Alors que je salue bien fort aussi, parce que je suppose que lui aussi va regarder cette vidéo avec plaisir. Donc Guy est venu à de nombreuses reprises dans nos conférences. Nous avons aussi notre ami Jean-Pierre Petit, qui nous a promis aussi de nous faire une conférence pour le CROPS. Bon, j'attends toujours, mais je ne désespère pas qu'il vienne, il y a de fortes possibilités. En tout cas, c'est aussi quelqu'un de... Il faut le connaître, c'est quelqu'un de très très gentil, très sympa, avec des bonnes connaissances aussi. Et le 3 août, vous avez Joël Ménard. Alors oui, le 3 août, nous avons Joël Ménard qui va venir. Alors Joël Ménard, évidemment, c'est lui qui dirige la revue Lumière dans la nuit, dont il y a un exemplaire qui est ici, voilà, qu'on peut montrer, tu peux le montrer. Alors Joël Ménard va venir nous parler sur tout ce qui est témoignage et ce qu'il en résulte de ces témoignages. Donc ça sera une conférence aussi intéressante parce que je crois qu'il n'est jamais venu dans la région faire de conférence lui non plus. C'est vrai, j'ai oublié de lui demander, mais je ne crois pas qu'il soit venu en faire. Et en fait, des conférences, il est tellement occupé que je ne pense pas qu'il en donne beaucoup, en tout cas pas dans notre région. Donc là aussi, c'est un personnage qu'il faut rencontrer. L'occasion se présente, donc c'est lui que nous allons avoir au mois d'août. Alors n'oubliez pas d'aller sur notre site internet www.cropscience.org et notre bannière figure entre autres sur la revue Top Secret de Rock Soccer que nous remercions. Et sur Science et Inexpliquée de M. Montigliani, voilà. Que nous remercions infiniment aussi. Alors c'est vrai que toutes ces personnes qui, chacun de leur côté, un peu comme vous aussi, nous aident aussi. Et c'est vrai que nous apprécions parce qu'en fait, au lieu de rester chacun dans son coin, ce qui est important, c'est d'arriver à se réunir. En fait, on mène une même quête. Après, il y en a pour des raisons X qui veulent se tirer la couverture à eux. Je trouve ça un peu regrettable. Mais de tout temps, c'est vrai qu'il y a toujours eu des guerres stupides. Je pense qu'il serait temps que ça s'arrête.